Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi 18 mai. Il est à peu près 13h30. Donc ça y est, je reprends la caméra ce matin. Je n'ai pas vlogué, je n'ai pas pris la caméra parce que j'avais pas mal de choses à faire. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, je prendrai la caméra cet après-midi. Voilà, donc c'est chose faite puisque les filles viennent tout juste de partir à l'école. Donc je me mets comme ça, mais vous allez plus me voir, voilà. Donc du coup je suis désolée de mon absence ces derniers temps. Alors avant c'est parce qu'on était complètement paumés à la maison avec Raphaël et son départ chez sa maman. Et puis voilà, enfin bref, tout ça vous avez suivi. Donc on n'a pas vlogué pendant ces moments-là. Après je suis revenue et me voilà repartie. Puisque malheureusement quand les mauvaises choses s'attaquent dans notre famille, il y en a pour un moment. Donc voilà, donc on a continué dans les mauvaises nouvelles. Et malheureusement, j'ai eu un décès dans ma famille. Donc pas dans celle de Mathieu, mais dans la mienne. Et évidemment, il fallait partir en Normandie, trouver un endroit où dormir en Normandie. Donc au début, on voulait aller en Airbnb. Et puis Rachel nous a dit non, vous pouvez venir chez moi. Donc on est arrivé chez Rachel pendant 3 nuits je crois, un truc comme ça. Et bah, y a eu la cérémonie, il fallait gérer quelques papiers parce que mon oncle était très loin. Donc du coup des fois bah, nous on était sur place, donc des fois c'était plus simple que ce soit nous. Donc j'ai géré avec ma marraine certaines choses, voilà. Donc du coup c'était très bizarre, très intense, très dur à la fois. Enfin voilà, c'était un décès très particulier. Qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe, mais qui était très je sais pas comment vous expliquer, mais c'était très bizarre. Donc sur le coup évidemment on est triste, mais en fait on est tellement dans l'action, si je peux dire ça comme ça. On fait les papiers et puis on règle ci et puis on fait ça et puis on essaie de trouver des solutions pour que tout le monde soit réuni, etc, etc. Il faut arriver sur place, on avait toutes les filles avec nous, il fallait qu'on trouve des modes de garde pour les filles pendant que nous on était à la cérémonie. Bref, comme je vous dis, quand on est dans l'action, on est triste évidemment, mais on gère tous les petits à côté. Et en fait, c'est le contre-coup qui est le plus dur à gérer, c'est quand on rentre. Donc voilà, on est rentré le mardi, je crois. Oui, le mardi. Et le contre-coup est arrivé, la fatigue, ouais, le contre-coup, il n'y a pas d'autre mot, le contre-coup. Et du coup, c'était un peu dur à gérer. Voilà, il faut pas oublier qu'il y a 6 ans, j'ai perdu mon papa. Il y a seulement 2 ans, j'ai perdu ma maman. Et aujourd'hui, on continue. Donc du coup, c'était pas évident. C'est toujours un peu compliqué à gérer, même si... évidemment, c'est pas la même peine que pour mes parents. Ça reste quelqu'un de ma famille et voilà. Ça fait toujours de la peine. Donc du coup, j'ai pris le temps de me remettre physiquement parce que la fatigue m'a ratatiné. Voilà. Donc physiquement, j'ai pris le temps, mais aussi mentalement de reprendre les choses tout doucement. Voilà. Donc je reprends les choses tout doucement. Voilà. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Maintenant, vous avez les explications de pourquoi j'étais pas là pendant à peu près une semaine et demie. Je pense que vous êtes largement assez compréhensif pour comprendre que bah, quand les choses arrivent comme ça, on n'a clairement pas envie de prendre la caméra. Voilà. Mais les choses sont passées, les choses vont se tasser et le deuil va se faire petit à petit. Donc voilà. Donc là, il est 13h30. Raphaël et Sarah sont partis à l'école. Roxane est au dodo. La bonne nouvelle pour Roxane, c'est qu'on a enfin réussi à avoir le rendez-vous pour ses oreilles. Mais malheureusement, ce n'est qu'en septembre. On a rendez-vous pour ses oreilles que le 3 septembre pour un bilan auditif. Et pour un orthophoniste, pour l'instant, il n'y a aucune place. Et en plus, l'école nous a dit que comme Roxane n'avait que 3 ans, ça serait compliqué d'en trouver un. Donc, on a déjà un rendez-vous pour un bilan auditif, donc ce qui est déjà cool. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Tout mon ménage a été fait ce matin, comme ça j'ai été tranquille. Il me reste juste mon linge à plier et aller faire ma douche, puisque ce soir on récupère les filles à l'école. Ensuite il faut qu'on aille récupérer un meuble à côté de la maison pour la maman des filles, puisque nous notre voiture elle est grande, donc c'était plus simple que ce soit dans notre voiture. Donc on récupère le meuble, on emmène Raphaël chez sa maman.
et Raphaël sera chez sa maman jusqu'à dimanche, puisque le mercredi, enfin le mardi soir et le mercredi, vous le savez maintenant, elle est toutes les semaines chez sa maman, c'est son choix et c'est comme ça, voilà. Donc le mercredi, normalement, elle rentre le mercredi soir. Sauf que là, jeudi, elle n'a pas école, sa maîtresse est pas là. Donc elle restera jeudi chez sa maman. Et vendredi, elle n'allait à l'école que le vendredi matin, puisque nous, vendredi, on part pour Saint-Raphaël avec Sarah et Roxane. Et Raphaël s'en va à Orléans avec sa maman. Et donc du coup, sa maman l'a récupérée le vendredi midi. Donc on va pas la mettre à l'école. Enfin, on va pas faire la route pour de Chalon, hein, de 40 minutes de route, juste pour une matinée d'école, donc elle restera chez sa maman jusqu'à dimanche. Voilà, j'espère que c'est clair, c'est beaucoup de blabla, mais je suis obligée de tout vous expliquer. Donc on récupère le meuble et on dépose Raphaël chez sa maman jusqu'à dimanche, et puis après nous on rentrera. Voilà, donc c'est parti, je vais faire mon petit linge, finir de débarrasser la table parce que je n'ai pas encore fini, voilà. Et puis après j'irai faire ma petite douche. Allez, c'est parti. Bon, pendant que je plie mon linge, je vais pas vous le mettre en accéléré comme je fais d'habitude. Voilà, je vais vous faire un petit récap un petit peu de tout ce qui a pu se passer ces derniers jours et que vous n'êtes pas au courant du coup, vu que je n'ai pas vlogué. Voilà. Donc la bonne nouvelle, on a eu une super nouvelle avec Mathieu. On a enfin réussi à avoir un rendez-vous pour Roxane. Vous savez que on attendait d'avoir un rendez-vous à l'hôpital de Dijon pour un bilan auditif pour Roxane. Donc en fait, ils vont la mettre avec Mathieu et moi dans une espèce de grosse bulle apparemment, et ils vont lui passer des sons pour voir si elle les entend ou pas. Et en fait, quand on avait été à l'ORL, il nous avait dit qu'il fallait qu'on aille à Dijon pour avoir cet examen-là, puisque Roxane refuse en fait d'avoir un casque sur la tête. Tout simplement, voilà. Donc du coup, le plus simple, c'était d'aller à Dijon, et on n'arrivait pas du tout à les joindre. Depuis janvier, entre le confinement et les difficultés à avoir des rendez-vous, on n'arrivait pas du tout à en avoir un, voilà. Et hier, on s'est acharné avec Mathieu, on n'a pas lâché l'affaire, voilà. On a enfin réussi à avoir un rendez-vous pour son bilan auditif à Dijon. Bon, le seul inconvénient, c'est que ça sera qu'en septembre, ils n'avaient pas de place avant. Mais ça y est, on va enfin avoir son petit bilan auditif, et ça, c'est cool. On voulait aussi prendre rendez-vous à un orthophoniste pour essayer d'avoir des petits exercices pour elle. Parce que c'est pas un, je sais plus comment, c'est pas un retard de langage parce qu'elle parle, mais c'est des difficultés de langage. Je ne sais plus comment ils disent. Bref, il lui faut juste des petites astuces pour encoder les mots comme il faut. Et du coup, il fallait voir un orthophoniste. Sauf que comme Roxane a 3 ans, l'école nous a dit que ça allait être compliqué, vu qu'elle était jeune, de trouver un orthophoniste. Et en plus, chez nous, tous les orthophonistes sont pleins. Il n'y a aucune place. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'orthophoniste. Mais on a déjà le bilan auditif. Donc je me dis que ça, c'est pas mal. Voilà. Deuxième chose, je vous avais dit dans un vlog, je ne sais plus lequel, que j'avais eu rendez-vous à la sage-femme. Je sais même plus en fait si je vous l'ai dit. Si, je vous l'ai dit que j'avais eu rendez-vous à la sage-femme. Donc c'est pareil, j'arrivais pas à recevoir mon ordonnance. C'était un truc de dingue. Elle m'avait dit je vous l'envoie par voie postale, et en fait je ne l'ai pas reçu. Donc du coup je l'ai rappelé et je lui dis j'ai toujours pas reçu l'ordonnance, donc du coup j'avais toujours mes petits problèmes de santé. Donc du coup hier, elle me l'a envoyé par mail et j'ai enfin eu mon ordonnance, voilà. Donc du coup je vais pouvoir prendre mes médicaments et que mon corps refonctionne correctement, puisque quand j'ai fait ma prise de sang, je vous avais dit dans un vlog pareil que j'étais partie faire une prise de sang, ils ont découvert que j'avais une infection qui traînait depuis un petit moment et que je m'en étais pas spécialement rendu compte, voilà. Donc du coup j'avais une petite infection, et donc c'était peut-être ça qui bloquait un petit peu l'arrivée de bébé 3. Donc j'ai enfin mon traitement. Donc là j'ai un traitement pendant un mois, et au mois de juin j'ai rendez-vous avec un docteur qui est là pour les retards de grossesse. Alors je sais plus si c'est comme ça que ça s'appelle, je vais dire ça, mais en gros ils vont farfouiller un petit peu pourquoi ça fonctionne pas.
Voilà, c'est peut-être juste un problème hormonal, c'est peut-être un peu trop de stress ou quoi. Bref, j'ai plusieurs examens à passer. Donc voilà, tout ça, ça avance un petit peu, mais je suis contente parce que j'ai enfin reçu, du coup, les médicaments. Voilà, donc c'est les grosses nouvelles un petit peu de ces derniers temps que vous n'avez pas eu, vu que je n'ai pas blogué. Voilà, bon allez. Je continue à plier mon petit linge maintenant que vous êtes au courant de tout ce qui se passe un petit peu à la maison. Et puis si je repense à des choses, bah, je vous les dirai au fur et à mesure du vlog. Voilà! Linge fini, douche, oula, oh là là, j'y arrive pas. Petite douche faite, je suis coiffée, maquillée, etc. Bref, petite Roxane est réveillée aussi. Elle est juste là, elle est en train de prendre son goûter. Ça fait bien oh, une bonne demi-heure qu'elle est réveillée. Elle s'est réveillée vers 3h30, donc elle a fait une sieste de 1h30 à peu près. Donc là, elle est en train de prendre son goûter et il va falloir que je prépare celui de Sarah et de Raphaël qui elles vont prendre dans la voiture vu qu'on a pas mal de choses à faire ce soir. Après, on va aller chercher Sarah? Oui. À l'école? Oui. Oui. Et Raphaël aussi? Oui. Et après, on va dans la voiture? Oui. Voilà, elle n'est pas contrariante, hein? Allez, on continue et puis on se retrouve après avec Monsieur Hibou, que ça fait un petit moment aussi que vous n'avez pas vu, mais vous le verrez tout à l'heure. Là, pour l'instant, je ne prends pas la caméra bah, parce que je ne vais pas vous filmer Roxane en train de prendre le goûter ou quoi. Donc, on se retrouvera dans la voiture juste après. Et hop, il y a longtemps qu'on s'était retrouvés dans la voiture. Bonjour Monsieur Hibou. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. En pleine forme? Oui, comme toujours. La fille est toujours en pleine forme. J'ai mon sac qui est coincé dans ma ceinture, ça va pas du tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais ma hanche de sac, elle était dans ma, coincée ah bah dans le marrant. Dans le clips de la ceinture. Bref. Bon, du coup, il est 16h20, donc direction aller chercher les filles. Et Mathieu, cet après-midi, a réussi à appeler le camping pour cet été. Parce qu'avec le confinement, c'est pareil, la réservation, c'était un peu compliqué chez nous. Parce qu'à un moment, il y a Nani, après il n'y a plus Nani. Enfin, c'est pas ça en fait, c'est Nani a 10 jours le... l'emplacement à son nom. Ouais. Et puis après, c'est nous. Enfin bref, comme on est nombreux, c'est hyper compliqué. Donc du coup, fallait les rappeler, mais là, avec le confinement et tout, ça répondait pas. Et là, on a réussi à les avoir, enfin Mathieu. Donc du coup, c'est fait. Il te reste juste un petit truc à faire demain oui, avec eux. Carré de ouais. Voilà, mais sinon, c'est fait. On est tranquille pour le camping. Ouais. Donc encore une bonne nouvelle. Je trouve que nous n'avons que presque des bonnes nouvelles. Bon, après un gros, une grosse mauvaise nouvelle, on peut bien en avoir quelques-unes de bonnes quand même. Oui, tout à fait. Allez. Direction l'école et après direction mon chanin. Ouais, je pense que c'est ouais, à quoi un quart d'heure de chez nous. Et puis après, on dépose Raphaël chez sa maman. En gros, on va être pas mal sur la route, quoi. C'est ça. Bon, il y a déjà pas mal de choses de faites. Du coup, on a récupéré les filles à l'école. On est passé chercher le meuble pour la maman des filles, qui était juste énorme. Ouais, heureusement qu'on avait une grosse voiture. Mathieu devait y aller tout seul, puis il m'a dit, je sens pas le truc, viens avec moi au cas où il est gros. En fait, heureusement, parce que sinon Mathieu, il aurait jamais pu le mettre non, tout seul. C'est-à-dire, faut être honnête, de toute façon, même si elle passe sur ce vlog, elle ne pourra que confirmer. Je connais l'oiseau rare aussi, qui a tout le temps tendance à minimiser les choses. Ah, juste. Voilà, donc du coup je suis quand même venue avec lui et heureusement parce que bah du coup je l'ai aidé à mettre le gros meuble dans la voiture et du coup là on a déposé Raphaël et on a vidé la voiture et on y a monté le meuble là-haut comme ça on est tranquille voilà ouais, c'est fait.
Donc, on ne récupérera que Raphaël, je vous ai dit dimanche, mais en fait, je vous ai menti, c'est lundi, puisque lundi, c'est férié, et que nous, on rentre de notre week-end de Saint-Raphaël, puisqu'on part ce week-end à Saint-Raphaël, on ne rentre que lundi, donc on la récupérera que lundi, voilà. Donc, là, grand week-end pour Raphaël, et puis Sarah et Roxane iront à l'école jeudi, normalement, il n'y a que vendredi qu'ils iront pas, mais les maîtresses sont déjà prévenues, voilà. Et évidemment, on a vidé le meuble sous la flotte. Il n'a pas plu de la journée et on est arrivé sur Chalon, flotte. Ouais. Magnifique, bref. Et là, il pleut quasiment plus. Et là, il pleut pratiquement plus. Ouais. Franchement, j'en ai marre de ce temps-là. Il est grand temps que le soleil arrive parce que ça commence à faire un peu long. Bon, du coup, il est presque 18h et 17h55. Donc là, on rentre. Je sais plus ce qu'on mange ce soir. Haricots verts, je crois. C'était ça qui était prévu, mais on a dit qu'on ferait peut-être salade de tomates et. Ah oui, c'est vrai, faut qu'on fasse les tomates et les concombres. Oui, mais on va peut-être faire les tomates et les concombres, sinon on va les perdre, Sarah. Donc on va manger le rôti froid si tu veux, mais il faut qu'on mange les tomates et le concombre. Sinon, ils vont être perdus, ça serait bien dommage. C'est dommage. Voilà. Donc on fait ça, faut que Sarah fasse sa douche parce que Roxane aussi, les deux j'ai pas eu le temps encore cet après-midi. Ah bah, donc il y a encore ça à faire, oui. Et voilà. Bon, en même temps demain il n'y a pas école donc ouais, c'est un peu plus tranquille. Moi je dis, les chiens sont sortis, ils sont en train de manger, Roxane est même au bain, mais elle ne voulait pas y aller avec Sarah, elle a dit non, tout seul, voilà, donc du coup elle est partie au bain, je vais la laisser 10 minutes, un quart d'heure, et puis après ça sera Sarah, et du coup, ce soir, normalement c'était haricots verts, rôti froid, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on va manger les tomates et le concombre qui nous reste pour pas le perdre avant ce week-end, et du coup, jeudi, on devait manger panini, et du coup, on va manger les panini avec les crudités. Mais si vous voulez savoir ce qu'on mange un peu durant la semaine, je vous avais partagé notre menu sur mon fil Instagram que je vous remets juste ici. Si vous voulez aller voir sur Insta, vous allez voir, il y a les petits menus d'affichés. Puisque je n'ai pas tourné de retour de vlog, mais j'ai quand même pensé à vous pour les menus. Donc vous pouvez aller jeter un œil. Mais du coup, ce soir, ça sera panini et crudités. Dites-moi, monsieur Hibou, j'ai oublié de donner une bonne nouvelle aux abonnés. Laquelle ? Quelle est la super nouvelle qu'on a fait, qu'on a fêté même, je dirais, ce week-end ? Mais une chose qu'on attendait depuis longtemps, qu'on a dit enfin, on a fini la caravane. Ah oui, oh là là. Désolé, je cherchais quelque chose qu'on avait acheté, je voyais pas. Non, on a fini toute la caravane, ça y est, il nous reste juste à re-régler le néon pour le auvent. Mais sinon, la caravane est entièrement finie. Ouais. On est trop content, ouais. Donc du coup... tu sais ce que ça veut dire. C'est bientôt les vacances. Oui, mais il va falloir que tu tournes une vidéo. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ça sera pas ce week-end que ce week-end, on n'est pas là du coup. Peut-être le week-end prochain, on va commencer à tourner un peu les images pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a pu faire dans la caravane. Et on est quand même très content parce que tout ce qu'on voulait faire, on a tout réussi à faire. Donc on est trop content. J'ai trop hâte de vous montrer. J'avais oublié de vous partager aussi cette bonne nouvelle. Il y avait trop de bonnes nouvelles. Ça a annoncé du mauvais, c'était sûr. Voilà. Quand je vous dis qu'en ce moment, c'est pour ça que je ne vloguais pas ces derniers temps, parce que en ce moment c'est comme ça. Et bah voilà, là c'est, ça continue. Bref, Mathieu, j'attendais que Mathieu me rejoigne parce que ça concerne. J'ai envie de dire encore une nouvelle fois ces filles. Voilà, mais vous savez que chez nous, rien n'est facile, voilà. Et pourquoi ce serait facile, on se le demande bien. C'est ça. Voilà. Bref, ce soir, on est rentré, du coup, on a fait à manger, basiquement. Et tu as eu l'appel de Gabriel. Oui.
Avec qui ça s'est plutôt bien passé ces derniers oui, temps. Oui, on ne va oui, pas oui, dire oui, que ça s'est mal passé. Elle est venue avec nous en Normandie pour le décès dans la famille, etc. Bref, elle a vu tout le monde. Ça s'est plutôt bien passé. Oui, oui, enfin, oui. Voilà. Oui, tout à fait. Bon, elle a fait une boulette pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'elle a fait un mensonge. Oui. Qu'elle a cru qu'on n'était pas au courant, alors que oui, bref, on va pas revenir là-dessus. Non, non, on lui fait. A dit qu'on savait qu'elle avait pipoté un peu, c'est ça. Mais que voilà, on voulait tout, un petit voilà. peu des explications. Des explications, on n'en a pas eu. Tout, voilà. On est un peu habitué de pas avoir d'explications, mais bon, c'est comme c'est ça. Bref, donc du coup, ça faisait 400 jours ouais, qu'on avait, près, ouais. bah non, depuis qu'on est rentré, bah en ouais, fait. C'est ça, ouais. Depuis ouais. qu'on est rentré, pas de nouvelles de Gabriel, plus personne à l'horizon. Mais c'est comme d'hab, on a l'habitude, c'est oui, pareil, on s'est dit, bon, ouais, bah, elle a pas de téléphone, voilà. on n'a pas de nouvelles, enfin voilà, bref. Et puis tout à l'heure, elle a appelé Mathieu pour lui dire de but en blanc, ouais, comme but, je vous... Alors franchement, de but en blanc. Comme je vais vous le dire là, elle lui a dit, papa, ça va pas faire plaisir ce que je vais te dire, mais je ne veux plus te parler, je ne veux plus te contacter avec toi. Voilà, c'est ça. Pour qui, pourquoi, je ne saurais pas vous dire, je vais pas vous dire, il s'est passé telle ou telle ou telle ou telle chose, ça serait mentir. Non, on sait pas. Nous-mêmes, on ne sait pas. Mathieu a demandé des explications au téléphone. T'en as pas J'en vraiment pas eu. J'en ai pas eu, non, non. Au début, ce n'est que de la faute de Mathieu. Et puis après, elle m'inclut dans l'histoire. Alors que pour le coup, j'ai fermé ma bouche sur plein de choses. D'ailleurs, je lui ai dit au téléphone. Bref, on ne va pas épiloguer non. là-dessus. Non, non. C'est ce qu'on a dit avec Mathieu. Ça ne sert strictement à rien. Non, non, c'est ça. À savoir que ouais. quand Raphaël a décidé de partir chez sa maman et Romane de revenir à la maison... Oui. D'un commun accord avec la maman des filles, on avait dit après ça plus de changement. Ça, on vous en avait parlé parce que ça faisait ça chamboule trop tout le monde, tout le monde ouais. que ce soit Sarah, Roxane ou Émile, donc leur frère leur chez frère, leur maman. Oui, oui, ça chamboule trop tout le monde de faire des va-et-vient comme ça. Donc c'était le dernier changement. Donc on tient le même discours pour à propos Gabriel. De Gabriel. Ouais, tout à fait. Elle a décidé de ne plus parler à son père, de couper les ponts. Et je précise que ce n'est bien que elle. Ah qui oui, a oui eu parce que ce... moi j'avais aucun problème avec elle. Enfin voilà, effectivement, comme tu dis, elle avait fait un petit mensonge. Voilà, je voulais ouais, des explications voilà, ça arrive. Par rapport enfin voilà. À bref, ce mensonge, c'est tout. Elle m'aurait donné une explication ou pas, ça aurait continué comme ça, c'était très bien. Donc, d'un commun accord, on a dit, on tient le même discours qu'avec les filles, c'est-à-dire que tu as pris ta décision de ne plus revenir à la maison et de ne plus parler à ton père, et bah, il n'y aura pas de retour possible. Voilà. Comme ça, on tient le même discours pour tout le monde. Elle a 14 ans, bientôt 15, elle est... En âge de comprendre. En âge de comprendre et de savoir, et ce, qu'elle savoir fait. Ce qu'elle fait oui, et ce qu'elle dit. Tu as eu une longue conversation avec elle, très houleuse. Oui. Maintenant, elle a fait son choix, elle a fait son choix. Donc, après tout ça... balayé, j'ai envie de dire, parce que de toute façon ça sert à rien qu'on s'attarde oui, là-dessus. Oui, oui, on a décidé avec Mathieu que le générique, on allait le changer, ouais. mais que du coup, dans ce générique, parce que j'aime bien que j'aie un générique avant mes vidéos, je ne mettrai que Sarah et Roxane, parce que en fait, c'est pas contre les enfants non, de Mathieu. Non, mais du tout. C'est juste que ça change tellement souvent. Un c'est coup ça. Ils sont là, un coup ils c'est sont ça. Pas là, un coup ils nous parlent, un coup ils nous parlent c'est pas, ça. Un coup ils font la tête, un coup ils font plus la tête. Ouais. Voilà, au bout d'un moment. Comme faisait mon père, voilà. On en a un peu marre. Donc du coup, dans le générique, on ne mettra que Sarah et nous quatre, oui, oui, parce que on est sûr que ça ne bouge pas. Je vais pas divorcer de Mathieu. Sarah et Roxane ne vont pas partir. Donc non, on reste sur les choses qui restent stables, voilà. Ouais. Donc on en rediscutera dans les lives, je pense. Mais oui, voilà, oui, on n'a pas fait, d'autres oui. explications plaisir, à vous donner. Oui. Donc vous ne verrez pas Gabriel, plus Gabriel dans les vlogs. De nouveau, j'ai envie de dire, voilà. De nouveau, voilà. Et puis, bah, vous verrez probablement Romane si rien n'a changé depuis. C'est ça, s'il n'y a pour pas pour l'instant, de on l'a pas eu encore ouais. au téléphone, donc on verra avec Romane, mais voilà. Bref, il vous fallait une petite explication quand même. Du coup, là, on va coucher tout le monde filles. Parce qu'il est 22h15, parce qu'avec toute cette soirée-là, ça nous a pris carrément du temps. Et puis après, j'ai eu du coup mes deux sœurs au téléphone. Donc le temps de discuter avec chacune d'entre elles ouais. et puis que la pression redescende mmh. il en arrive à 22h15 donc il est grand temps de coucher les filles. Sarah est en train de bailler derrière donc on va coucher les filles et puis après on clôturera le vlog ouais. allez go c'est parti